Dans ces bassins, 600 kilos d'esturgeons abattus et vendus à la demande. Des poissons qui sont aussi l'un des piliers de l'aquaponie, un mode de culture bien particulier. Le poisson va digérer la nourriture qu'on va lui donner et il va fournir la déjection. La déjection va être transformée par un milieu bactériologique et ce milieu bactériologique va permettre de fournir le nutriment aux plantes. Les plantes après vont faire un travail de filtration, vont se nourrir de ce nutriment et vont redonner de l'eau propre aux poissons. Entre-temps, l'eau est filtrée biologiquement, notamment grâce à des bactéries naturelles dans ces bassins. Un système vertueux qui a déjà séduit une centaine de clients qui viennent acheter les légumes et plantes aromatiques vendues directement sur place. Là, c'est une belle initiative qui est novatrice. Et c'est vrai que même en termes de praticité, de lavage des légumes, c'est un peu plus rapide parce que c'est hors sol. Au moins ici, personne ne connaissait ça. Si on peut avoir des choses de bonne qualité, où il n'y a pas de traitement, moi je suis très sensible à ce genre de choses. Des produits sans traitement chimique et cultivés uniquement sur l'eau et sans terre, et qui selon le couple a son importance sur leur qualité. Il y a eu un article dans le Gualtemio qui vraiment explique que les légumes issus de l'aquaponie sont plus goûtus. On ne peut pas faire de traitement, sinon on tuerait le système bactériologique qui est l'un des moteurs de l'aquaponie. Le couple de maraîchers a investi 340 000 euros et bénéficié d'une petite aide financière de la région à hauteur de 12 000 euros. Pour le moment, ils ne se versent pas de salaire, mais misent sur le développement de leur activité. Donc c'est une année qui va être charnière pour nous. Il faut qu'on attende que cette année s'écoule pour qu'on puisse tirer des résultats. Plus tard, on serait prêt peut-être à employer des personnes aussi. Oui, on est content, ça marchera. On est convaincus. Les jeunes maraîchers souhaitent également se faire connaître auprès des restaurateurs locaux pour mettre en avant leurs produits.